Okay. OK. Alors, Catherine, est-ce que vous avez une question? Oui. j'ai écrit Pourquoi ai-je besoin d'être la meilleure? Pourquoi ai-je besoin d'être la meilleure? Et c'est quoi le problème si vous n'êtes pas la meilleure? Ben, ça m'angoisse. Ah oui, d'accord. Ça vous angoisse. Et puis ça, ouais, ça m'angoisse, je dirais. D'accord. Et donc, ça vous angoisse de ne pas être la meilleure, mais en quoi c'est angoissant? C'est parce qu'il y en a d'autres au-dessus de vous, c'est. Voilà, c'est parce que si je ne suis pas considérée comme la meilleure, alors c'est comme si je n'existais pas D'accord. Hein, aux yeux donc, des autres. voilà. Donc pour exister, il faut être la meilleure, c'est ça? Sinon, vous n'existez pas. Comment on appelle ce genre de personne qui, pour exister, a besoin d'être le ou la meilleure? Je ne sais pas, le mot qui me vient, c'est perfectionniste, mais peut-être Perfectionniste, pas. ouais. Oui, mais alors on peut être perfectionniste sans chercher à être meilleur que les autres. On peut être perfectionniste par rapport à un objectif qu'on s'est donné. Égocentrique. Oui, Ouais. perfectionniste. Égocentrique. Égocentrique. Hein, parce que là, il y a l'idée d'un rapport aux autres. Oui. Vous n'avez pas posé la question pourquoi ai-je besoin de faire parfaitement? Hein, il y a un rapport aux autres. Donc, c'est un Oui. rapport aux autres qui est de quel type quand on veut être le meilleur ou la meilleure? Ah, de compétition? De compétition, oui. Donc, vous êtes avec les autres dans un rapport de compétition. Pas tous, mais avec certaines personnes, ouais. Oui, ça vous parle de combattre comme ça avec certaines personnes. En tout cas, de me comparer. Oui, hein, vous comparez à d'autres. Et si vous posez la question, c'est que ça vous pose problème. Sinon, vous ne poserez pas la question, on est d'accord? Eh bien, en Ouais, quoi tout à fait. ça vous pose problème alors d'être dans un rapport de compétition avec les autres? Alors, est-ce que je peux garder plutôt le terme comparaison parce qu'il me parle plus par rapport à. Parce que la Oui. compétition, il y a un côté. C'est moins joli, hein. On est d'accord qu'être dans un rapport de comparaison avec les autres, c'est plus joli que d'être dans un rapport de compétition avec les autres. Ouais, ce qui me dérange dans le mot compétition, c'est que j'ai pas l'impression que je sois prête à Juste, me est-ce que vous battre pour êtes les d'accord autres. avec moi? Je vous interromps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est plus acceptable de dire je suis dans un rapport de comparaison avec les autres? Que de dire je suis dans un rapport de compétition avec les autres. Oui, c'est plus acceptable C'est pour plus moi parce que ça acceptable. me Oui, dérange mais la même compétition. en général, est-ce qu'on peut dire c'est plus acceptable? Vous préférez rencontrer une personne qui est dans un rapport de comparaison avec les autres que dans un rapport de compétition? Oui, peut-être que Oui. c'est ça engage moins. Ouais, Oui. ouais. Hein, mais donc, vous choisissez ce qu'il y a d'un peu plus acceptable. Je choisis quelque chose qui agit que sur moi, Mais mais est-ce que vous pouvez aussi être dans un rapport de compétition? peut-être. Voilà. Allez, Parce que c'est possible. Je n'avais jamais imaginé ça et ça me fait un peu bizarre. ça vous fait bizarre, mais en même temps, quelqu'un qui pose la question pourquoi ai-je besoin d'être la meilleure? Est-ce qu'on vous demandez à n'importe qui, est-ce qu'on peut sentir un petit peu d'esprit de compétition dans cette affaire? Ouais, Oui, hein? complètement. Ce serait quelqu'un d'autre que moi. Je Quelqu'un penserais que d'autre c'est que quelqu'un qui est vous. dans la compétition. Voilà, vous demandez à quelqu'un, votre voisin, là, il va vous dire, bah oui, celui qui va être le meilleur ou la meilleure, il est dans un rapport de compétition. Bon, et pourquoi ça vous embête?
Parce que je cherche pas à être au-dessus des autres. Parce que vous ne cherchez pas à être au-dessus des autres. Mais comment voulez-vous être la meilleure si vous ne cherchez pas à être au-dessus des autres? Ouais. C'est bizarre. Il y a une contradiction, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, une jolie contradiction. Oui, Alors, oui, ouais. Bah, donc, ce qui vous embête, c'est l'idée que vous voulez être au-dessus des autres. Ce n'est pas être au-dessus des autres, c'est l'idée que bah, vous fonctionnez un peu comme ça. oui. Ce qui m'embête, c'est de me considérer jalouse. Ah ben oui, oui hein, donc c'est le problème de la compétition. C'est que évidemment, des fois, on n'est pas le meilleur et c'est quelqu'un d'autre qui est le meilleur. Ah, ça coupe. Ouais. Ça a coupé un peu, ouais. Donc, Ça fait des petites variations, mais ça va. ouais, je sais pas si c'est ma connexion. Hein. Oui, c'est peut-être ma connexion qui n'est pas super. Ça va quand même? Vous m'entendez là? Ça va, Ouais. Donc, ce qui vous oui. embête, bah, évidemment, un des problèmes quand on est en compétition avec les autres, c'est qu'on éprouve de la jalousie. Forcément. Hein. Parce qu'il y en a qui peuvent être meilleurs, on aimerait bien être à leur place. C'est rigolo de voir comme vous approuvez ça. Hein. C'est quelque chose que vous avez l'air de connaître, quoi. Ouais. Là, donc, vous pouvez être jalouse et c'est pas très agréable de voir la jalousie en soi. Non. Ouais. Est-ce que vous voyez un autre problème que peut poser la compétition? De me retrouver seule. Oui. Ouais. Ok. Un autre problème, bah, c'est aussi que les autres. Si vous, vous êtes gagnante, ben les autres, qu'est-ce qu'ils vont éprouver comme sentiment s'ils sont comme vous? Oui, ça peut créer de l'animosité envers moi. Ben Enfin, oui, hein, on pourrait m'en vouloir. peut-être qu'ils sont jaloux eux aussi. Donc, ils vont vous en vouloir. Et effectivement, le risque après, c'est de vous retrouver seul. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme problème de rentrer dans des rapports de compétition? Du stress, beaucoup de Oui. stress. Hein? Eh oui, vous imaginez, si vous n'êtes pas la meilleure, alors c'est la catastrophe, quoi. D'accord, parce que vous, ce n'est pas des rapports de compétition légers, quoi. C'est pas. Non, c'est existentiel. Oui, c'est, vous y mettez parce que vous, y a des gens qui jouent, mais voilà, ils n'y mettent pas toute leur vie. C'est En pas. fait, moi, c'est sur mon chemin de vie, j'ai envie de dire, sur mon parcours de vie que ça impacte. C'est pas sur. Je suis pas du tout dans la compétition, dans les jeux, par exemple. D'accord. Ah Dans oui. les jeux, je ne suis pas du tout, du tout, du tout. Ça ne me dérange pas de perdre. Enfin, je m'amuse, mais Hein? je ne suis Eh pas oui. embêtée par perdre. Hein? Par contre, Bon, dans les jeux, je reprends ce que vous dites. Vous pouvez jouer, je sais pas moi, à quel jeu vous jouez, par exemple. bon, je ne sais pas si tous les jeux de société qu'on peut Voilà. jouer, je ne sais Vous pas, au pouvez jouer, Monopoly, par exemple. vous perdez. Et ben voilà, c'est pas la fin du monde. Mais vous Non. avez fait la compétition quand même. Mais vous êtes bonne joueuse. Et puis voilà. Ouais. Oui, puis je n'y mets pas d'enjeu, voilà. Vous ne mettez pas d'enjeux. Par contre, il semble qu'il y ait des jeux beaucoup plus sérieux pour vous, dans lesquels vous mettez beaucoup d'enjeux, c'est ça? Ouais. Oui. Et alors, c'est quoi ces jeux où vous mettez beaucoup d'enjeux? Est-ce que ben c'est dans mon domaine professionnel. D'accord. D'accord. Dans le domaine professionnel, là, ça rigole pas. Oui, parce que mais c'est le domaine professionnel qui est aussi, j'ai envie de dire, qui correspond à mes aspirations les plus profondes, Ah c'est-à-dire oui. aider les autres, Ah oui. apporter ma contribution dans ce monde D'accord. Alors, pour le c'est drôle changer. parce que. Celui qui est dans la compétition, en principe,
On a l'idée qu'il veut aider les autres ou qu'il a un autre objectif? Ben oui, en général, on a l'idée qu'il veut gagner lui et puis qu'il veut s'en gagner, fout des autres. Hein, en principe, dans ce rapport-là, on s'en fout un peu des autres, quoi. On essaye de gagner. Hein. Et on ne cherche pas à les aider, parce que si vous, je sais pas moi, si vous faites une course et que vous aidez la personne qui court, ça ne va pas marcher. Hein, vous allez perdre. Ouais. Donc, on voit une petite contradiction là, dans votre fonctionnement. Ouais. Vous pouvez la formuler, cette contradiction? Ben, qu'à la fois, je me sens dans une forme de jalousie vis-à-vis des personnes qui ont la même activité que moi, mais qui seraient potentiellement meilleures que moi, qui apporteraient plus. Et en même temps, ce sur quoi je travaille, justement, c'est d'aider les autres et d'être dans le souhait de... Ouais, je vais même dire coopérer, enfin en tout cas... Et alors, essayez de faire court la contradiction. D'un côté, vous dites que vous voulez aider les autres, et puis de l'autre... Bah que je me sens en compétition avec, oui, avec certaines personnes. Voilà, une sorte de... Mais ce n'est pas les mêmes personnes, quoi. Pas les mêmes, ok. Ouais. Hein, donc, vous voulez pas... ceux que vous voulez aider, vous ne rentrez pas en compétition avec eux. Voilà. Et par contre, ceux avec lesquels vous rentrez en compétition, là, vous ne voulez pas les aider. Surtout pas. D'accord, surtout pas. Donc, il y a les autres, et il y a les autres. Il y a deux catégories d'autres. Hein, c'est ça. Donc, vous voulez être la plus généreuse, quoi. La oui. Plus... Voilà. Hein, ouais. Pour votre domaine, c'est je vais montrer ma grande générosité. Bon, ben, et mon talent à aider. Mon talent à aider. C'est quand même moi la meilleure qui sait aider les autres. Hein. Donc, vous êtes en compétition avec les... Il y a une compétition entre les... Comment on pourrait dire? Entre les généreux, quoi. C'est un peu bizarre. Hein. Une compétition entre les sauveurs de ce monde. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Est-ce que vous voyez un problème dans cette logique? À être en compétition avec d'autres personnes que moi? Oui, oui. Dans ce domaine-là, quoi. Parce que qu'on soit en compétition pour faire une course de vélo, ça se comprend? Oui, enfin, d'accord. Donc, vous parlez de la contradiction à nouveau. Oui. Hein. Oui, donc du coup... Ben, c'est sûr que du coup, je suis complètement... j'incarne l'inverse de ce que je souhaite transmettre. Eh oui. Parce que ce que vous souhaitez transmettre, c'est quoi? C'est la compréhension de l'intelligence collective. Oui. De la bienveillance. D'accord. Et surtout que chacun a sa place. Et chacun a sa place. Donc, si chacun a sa place, dans ce cas-là, en principe, on ne rentre pas en compétition pour avoir la place. Exact. Mais là, donc, il semble qu'il y a deux Catherine, quoi. Hein. Il y a une Catherine qui a ces valeurs-là. Hein, puis il y a une autre Catherine qui est en compétition. Ouais. Ça. Et alors ouais. Les deux là, elles ont un petit peu du mal à dialoguer entre elles. C'est ça, à vivre ensemble. Elles vivent mal ensemble. Ouais. Donc enfin comment ça marche le dialogue entre les deux alors? Entre celle qui a les valeurs et celle qui fait autrement. D'abord, il y a peu de communication. Mm-hmm. Il y a beaucoup de jugement. Oui. Alors, laquelle juge laquelle? C'est celle qui voudrait la bienveillance. Oui, oui. Celle qui voudrait la bienveillance, elle juge que l'autre est vraiment oui. En dessous de tout. Ben oui. Et, et à cacher, enfin honteuse, quoi. Et oui, donc c'est quand même la honte
De rentrer en compétition, voilà, c'est pas très glorieux. C'est pas glorieux d'avoir ces sentiments-là en soi. Voilà. Non. Mais en même temps, ils sont là. Ouais. On va pas se les cacher puisqu'ils sont là. C'est ça. Bon, alors bah maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire hein, de ces sentiments-là Est-ce qu'il y aurait moyen de parce que vous voulez vous en débarrasser de ces sentiments-là ou vous y voyez un sens. Si vous le faites, c'est bien que ça a un sens quand même. Okay, on va voir ça d'ailleurs. Quel est le sens de rentrer en compétition comme ça avec les autres? Pourquoi vous faites ça? Je pense qu'il y a, pour une part, c'est vraiment, vraiment le besoin d'être d'être reconnu. Oui, ok. Le besoin d'être reconnu, c'est quand même la meilleure, quoi. La meilleure pour aider les autres, c'est Catherine. Comme, ouais. Comme le Christ, quoi. Hein? Un peu, ouais. Là, il faut une grande figure imposante comme ça. Donc, besoin d'être reconnu. Donc, si vous avez besoin d'être reconnu, c'est que pour vous, ce serait angoissant de ne pas l'être. Et donc, c'est quoi la catastrophe si vous n'êtes pas reconnu? Ben, personne ne s'intéresse à moi. Voilà, hein. Personne ne s'intéresse à vous. Donc, et surtout, je suis un peu toute seule, quoi. Et oui, hein, c'est la solitude. Mmh. Voilà. Donc, parce que des fois, il y a des gens qui aident dans la plus grande discrétion. Je suppose que peut-être il y en a d'ailleurs là où vous travaillez. Des gens, ils ont fait des tas de trucs, mais on ne sait même pas quoi que c'est eux. Mmh. Hein? J'ai un peu travaillé dans une association d'aide aux migrants. Il y a des gens qui font des tas de choses. Ce n'est pas eux qui parlent dans les assemblées, hein, mais par contre, c'est eux qui agissent. Hein. Ouais. Ouais, vous les connaissez, ceux-là? Enfin, disons que je vois bien le nombre de personnes qui la ramènent pas et qui... Oui, et qui sont actifs. Et qui font plein de choses, oui, tout à fait. Oui, ouais, hein. Et parfois, on ne sait même pas trop qui sont là. Il y en a quelques-uns comme ça, ils sont assez rares. Hein, mais, voilà, mais vous, vous ne voulez pas parce que finalement, ben, vous seriez seul. On ne sait même pas que Catherine, elle est là et qu'elle a fait ça. Et ça, ça vous embête. Mais qu'est-ce qui vous embête dans la solitude comme ça? Ce qui m'embête dans la solitude. Je suis embêtée avec cette question parce que j'adore la solitude. Ben oui, alors il y a une contradiction, hein, puisque finalement, on voit pas mal de contradictions là. Ouais. Finalement, votre moteur, c'est être reconnu par angoisse de ne pas l'être. Et puis, si vous n'êtes pas reconnu, vous auriez un sentiment de solitude. Mais quand je vous demande c'est quoi le problème, vous ne voyez pas le problème en fait. Donc c'est un peu bizarre. D'être seul, non. D'être seul, non. D'être oublié. Non, ce qui me pose problème, c'est d'être avec d'autres, au milieu d'une foule, au milieu d'un groupe, et de ne pas être. Donc là vous êtes dans le cadre de votre travail, vous agissez mais personne ne vous voit. Ce qui n'est pas le cas en plus. Hein. Ah oui, oui, mais c'est votre inquiétude. Hein. C'est ma grande inquiétude. Ah, vous faites où je suis là, hein, et que vous devez vous agir beaucoup pour montrer que vous êtes là. Tout ça par peur d'être oublié dans la foule. Bon, alors maintenant, on va essayer de se réconcilier avec être oublié dans la foule. Essayez de me trouver au moins deux arguments comme quoi être
oublié dans la foule, là, personne ne vous remarque, ça peut être une expérience tout à fait intéressante. Ben, parce que du coup, on est tranquille. Oui. Oui, hein, on est tranquille, voilà. Ouais, il n'y a pas à faire quoi que ce soit. Et oui, hein, vous parliez du stress quand vous êtes en compétition. Là, si vous êtes oublié dans la foule, bah, vous n'avez plus ce stress. Il n'y a rien à faire de particulier pour dire que vous êtes là. Ok, donc on est tranquille. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Est-ce que vous auriez un deuxième argument? On est oublié dans la foule et ça peut être intéressant. Bah parce qu'on peut commencer à regarder les autres. Ben oui, voilà. À s'intéresser aux autres. Oui, ben oui. Voilà, on vous oublie, mais vous regardez les autres. Est-ce que ça peut être agréable de regarder les autres? Ah oui, j'adorerais ça. J'adorerais ce sentiment d'être tranquille. Plutôt en fait, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il n'y a que des contradictions. Ça me fait un peu bizarre. Ça me donne presque le tournis parce que je me rends compte que ça me pose un vrai souci qu'on me voit en même temps. Ah, bah oui, alors. Hein, donc, vous ne savez pas ce que vous voulez, là. Vous voulez qu'on vous voit ou vous voulez qu'on ne vous voit pas, hein? Ben, je pense qu'il y a une part de moi qui veut qu'on la voit et l'autre qui veut qu'on ne la voit pas. Oui, hein, donc, mais on voit que la difficulté, c'est que vous avez du mal à assumer, quoi. Si bien que... il y a chez vous une femme qui a envie d'être vue, mais elle n'aime pas ça, donc ce n'est pas assumé. Et puis, une femme qui a aussi envie d'observer, mais elle a un problème parce qu'elle veut aussi être en compétition, mais dans les deux cas, vous n'assumez pas la posture, quoi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est difficile pour vous d'assumer, après tout, tiens, on pourrait aussi aller... voir cet impensable, eh ben, pourquoi ça peut être bien d'être reconnu? Voilà, on a vu, waouh, Catherine, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Ça donne de la confiance. Oui. C'est-à-dire, je sens que ouais, ça veut dire exister aux yeux des autres et être valable. Oui. Là, hein, donc on a vu que vous avez fait, je ne sais pas quoi, moi, d'efficace, d'intéressant. Voilà. On va dire, bah, Catherine, ouais, super, chouette boulot que tu as fait là. Hein? Donc ça donne confiance, ça donne, ouais, c'est ça aussi, une légitimité. Puis voilà, ça reconnaît la valeur de votre travail. Oui. Et ça vous plaît pas, ça, qu'on reconnaisse la valeur de votre travail? Oui, c'est important pour moi, ça. Oui. Hein? Alors, maintenant, est-ce qu'on peut reconnaître la valeur de votre travail sans que vous soyez la meilleure? Parce que c'est ça qui a l'air de vous préoccuper, c'est d'être la meilleure. Ben... ouais, il y a vraiment quelque chose... Bien sûr qu'on peut reconnaître la valeur de mon travail, mais c'est comme si... j'étais un panier percé, quoi. C'est-à-dire que on peut me reconnaître à un moment, mais en fait, il y a quelque chose qui fait que j'ancre pas la chose, quoi. Et oui, ben oui. Hein, donc vous n'en avez jamais assez, en fait. Ouais. Ouais. Donc il y a un côté. Je suis jamais suffisamment rassurée. Et oui, il y a un côté boulimique, il m'en faut encore, quoi, de la reconnaissance, c'est ça? Oui, parce que c'est comme un panier percé, c'est-à-dire que ça rentre, mais que ça repart aussi sec, voilà. Et donc je me rends toujours à vide, quoi. Et oui, hein, donc c'est jamais suffisant. Mais le problème de ce système-là, c'est que ça vous centre sur vous ou sur les autres? Oui, sur moi. Sur vous, hein. Donc, en plus, pour quelqu'un qui travaille pour aider les autres, là encore, on a une petite contradiction. Mmh. Hein, si vous êtes centré sur vous et que vous êtes censé aider les autres, il y a un problème. Mmh. Parce que finalement, vous aidez les autres pour vous ou pour les autres alors?
Je dirais qu'il y a une part de moi qui essaye de me sauver moi-même et puis l'autre qui essaye de sauver les autres. Oui, hein. Mais une personne qui veut être la meilleure dans le domaine de l'aide aux autres, on va dire, elle est plus centrée sur elle ou sur les autres? Bah sur elle. Sur elle, non? Donc, peut-être il y a ce petit problème-là. Pourquoi vous centrez ça sur vous comme ça, hein? Parce qu'on a vu tout à l'heure que chercher de la reconnaissance, ce n'est pas absurde parce que ça donne confiance, ça peut confirmer la valeur d'un travail. Hein, quand les autres vous disent, ben là, c'est chouette ce que tu as fait. Mais vous, ça ne vous suffit pas, quoi. Non, et dans ce que vous dites, en fait, je me rends compte que oui, ce que j'ai fait, c'est à un moment donné, mais ce que je voudrais qu'on reconnaisse, c'est ce que je suis. Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites et ce que vous êtes? Ouais. Et est-ce qu'on peut vous reconnaître, vous, sans reconnaître ce que vous faites? J'ai l'impression que si je ne fais pas, bah, il n'y a rien à reconnaître. Eh oui. Hein? D'accord. Mais vous, est-ce que vous pouvez reconnaître des personnes dans ce qu'ils sont sans les reconnaître dans ce qu'ils font? Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, il y a des personnes. Voilà, c'est ce qu'elles Oui, sont. pardon. Ben oui, c'est les personnes auxquelles je pense, c'est leur gentillesse, leur gentillesse, leur authenticité, enfin leur sincérité, Oui, voilà. Ouais. d'accord. Donc c'est pas des actions, c'est plutôt une façon d'être. C'est ça. Voilà. Bah donc c'est possible, mais vous, vous cherchez plutôt à être reconnu dans ce que vous faites. En fait, il y a une part de moi aussi qui cherche vraiment à apporter quelque chose avec beaucoup de sûrement enfin, comme j'ai un peu le nez collé devant au guidon, mais j'ai l'impression que je cherche à. Que tout ça, c'est parce que je cherche à apporter le meilleur, en fait. Oui, alors je vous demandais, vous vous souvenez de la question? Non, là vous êtes parti avec vous-même, là. Vous vous Je sais souvenez plus pas. trop de la question. Hein? Vous demanderez quelque... Là, vous êtes parti à réfléchir, puis je crois que vous n'étiez plus avec moi. Hein? Peut-être, je sais pas. Voilà. Oui, parce que vous ne vous souvenez pas de la question à laquelle vous répondez. Hein, donc, vous observerez quand vous verrez la vidéo hein, que là, pfiou, vous avez perdu le fil. Hein. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous déconnecter? Oui. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que je cherche à comprendre, peut-être. Oui. Vous cherchez à comprendre. Hein, et puis, hop, vous perdez le fil, quoi. Alors, la question, on était en train de distinguer être et faire. Vous m'avez dit qu'il y a des personnes qui sont, hein, qui sont gentilles, qui sont authentiques, qui ne font pas nécessairement beaucoup de choses. Mais vous, on a vu que vous êtes plutôt dans le faire, c'est ça, hein, donc, mais dans l'être, ce n'est pas trop votre souci, quoi. Enfin, vous, votre être, apparemment, il est en compétition. Ça. Est-ce que vous Je sais pas reconnaissez? si je sais pas si je dirais ça, mais c'est possible. En tout cas, vous êtes dans le faire. Oui. Oui. Et puis tout à l'heure, on a vu que vous étiez dans la compétition. Alors, on voit que votre être, il semble plutôt
pris dans cette compétition. Ou bien est-ce qu'il y a autre chose en vous ? Qu'est-ce que vous êtes au-delà de ce que vous faites ? J'en sais rien. Je ne sais pas quoi dire. Oui. Hein, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des personnes gentilles, il y a des personnes authentiques. Ensuite, il y a des personnes qui peuvent faire beaucoup, mais qui ne sont pas authentiques. Mm-hmm. Ouais. Donc, ce n'est pas forcément associé. Non. Hein. Donc, vous, en tout cas, vous faites beaucoup, mais il semble que vous êtes mû par le désir de reconnaissance. Oui. Oui. Et effectivement, ce sur quoi j'étais partie au moment où, donc après, j'ai perdu la question, c'était de dire, ben, il y a ce besoin de reconnaissance, mais il y a, je crois aussi, un vrai besoin d'aider. Oui. Et oui. Un vrai besoin d'aider, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, c'est pas une compétition pour y arriver moi seule, c'est une forme de lutte avec moi-même pour pouvoir apporter, oui, ce que je disais, le meilleur, quoi. C'est-à-dire oui. Ne pas forcément finalement être la meilleure, mais pouvoir apporter le meilleur. D'accord. Donc là, il y a une sorte d'hésitation. Est-ce que vous voulez être la meilleure ou apporter le meilleur ? Mais en tout cas, dans les deux cas, on voit que il y a l'adjectif meilleur. Qu'est-ce que ça montre, ça, de la personne ? Bon, tout à l'heure, on a dit perfectionniste. Oui, une exigence, là, je dirais. Une exigence, et une exigence très forte. Hein, parce que vous ne pouvez pas vous contenter d'apporter un peu, quoi. Il faut apporter le meilleur. Mm. Ouais. Est-ce que ça peut poser problème, ça ? C'est fatigant. Oui, hein, c'est fatigant. Qu'est-ce qu'on voit encore dans cet idéal de perfection ? Ben, on n'est jamais satisfait, hein, ça ne va jamais finalement. Hein, vous connaissez ça, l'insatisfaction ? Ouais. Oui, 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 bien sûr. Il n'y en a jamais assez. Et puis, est-ce que ça pose un autre problème de vouloir le meilleur ? Il y a un côté un petit peu absolutiste aussi là-dedans. Hein, on veut l'absolu. Et du coup, c'est un peu lourd, quoi, l'absolu. Mm. Une certaine lourdeur. Hein, est-ce que vous pourriez, par exemple, vous dire, ben voilà, j'ai fait un truc qui est pas mal. Bon, ben, c'est pas le mieux du mieux, mais c'est pas mal, quoi. Est-ce que vous pouvez faire ça ? Ou c'est difficile pour vous ? Ouais, c'est difficile pour moi. Ouais, vous avez du mal à vous dire ça. Ouais. Parce que j'assimile ce que je fais à ce que je suis. Et oui. Donc si j'ai fait quelque chose de pas mal, ça veut dire que je suis juste pas mal. Pas mal. Hein, mais vous voulez être la meilleure. Hein. Comme tout à l'heure, je vous comparais à Jésus-Christ. C'est quasiment Dieu, quoi. Hein. Il faut que je fasse un truc parfait. Mais seul Dieu, s'il existe, en tout cas, dans le concept de Dieu, il y a l'idée de perfection. Mais en principe, c'est réservé à un être transcendant qui ne concerne pas les êtres humains, même s'ils peuvent avoir l'idée de cette perfection. Mais vous voudriez déjà y être. Oui. Et donc, et pour les autres, ça pose un problème, ce système-là ? Il est possible que ça pose un problème parce qu'en fait, parfois, je pense que dans ma manière d'agir, justement, ou d'être, il y a comme une fausse humilité qui peut-être, je pense à certaines personnes, les énerver. Oui. Hein, donc, parce qu'ils arrivent à lire dans votre jeu. Ils voient que c'est une fausse humilité. Vous êtes très contente de vous, mais évidemment, vous êtes assez intelligente pour ne pas le montrer.
Ouais, c'est pas aussi simple, hein, mais je suis pas, voilà, je dirais pas, je suis très contente de moi. Je dirais Ouais. juste qu'il y a une part de moi qui est hyper fière, mais que je tais, Mmh. que j'étouffe, et donc presque je l'entends pas. Oui. C'est en vous parlant que Mmh. je vois ça. Et il y a une autre qui prend beaucoup plus de place et qui dit. Non, là, arrête de la ramener, quoi. T'es Eh oui, pas, hein. t'es rien. Donc on voit toutes ces contradictions là qui vous animent. Hein, Ouais. et là encore, quelqu'un qui est fier de ce qu'il a fait, qui est content, mais qui ne le montre pas, qui se dit non, non, il ne faut pas que je me laisse aller à ça. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez un nom ou comment vous qualifieriez cette façon de faire? Je dirais manipulateur. Oui, hein, il y a un petit côté manipulateur. Parce que ce n'est pas franc du collier, cette affaire. Hein. Non. Pourquoi pas te dire, bah, là, je suis contente, quoi. Hein. Mais ça ne veut pas dire que j'ai atteint la perfection. Mais voilà, c'est pas mal. La perfection, elle est bien au-delà. Mais, hein. Mais voilà, il y a un petit côté manipulation, en fait. Parce que j'assume pas. Ouais. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà dit, il y a un petit côté manipulation dans ce que je fais? Ouais. Oui, vous l'avez déjà dit. Donc, si c'est manipulation, ça veut dire que l'autre, il va croire une chose qui n'est pas réelle. Il va croire quoi, l'autre, alors? Que je suis pas complètement satisfaite, que je sais que je peux faire mieux. Oui, mais en quoi vous le manipulez, alors? Parce qu'au fond de moi, je pense que, en fait, si, j'ai fait, Ah oui. c'est OK, quoi, je suis Oui. satisfaite. Oui. C'est comme si je voulais pas, effectivement, montrer cette satisfaction de moi. Et oui. Oui. C'est quelque chose qui voudrait dire, ça met en prise à la critique aussi. Ben oui, hein, bien sûr. Si vous Alors que dites. si moi, je me critique moi-même, c'est Et ben bon, là, t'as oui. pas besoin de le faire. Voilà. Donc on voit dans votre fonctionnement. Comment on pourrait, pourquoi on peut se critiquer pour que les autres ne nous critiquent pas? Qu'est-ce que ça permet de faire par rapport aux autres? De se protéger. Voilà, de se protéger, hein, de se protéger, de contrôler. Voilà, donc là, vous n'ouvrez pas la critique parce que si vous arrivez et dites, bon, ben voilà, je suis contente de ça, qu'est-ce que tu en penses? Ben là, évidemment, il peut vous critiquer. Par contre, si vous dites ouais, je suis pas bien contente, j'aurais pu faire tellement mieux. Là, qu'est-ce qu'il va dire? Bah, il va forcément m'encourager, me dire Voilà, il maintenant. va dire mais non, Catherine, Bien, ce que tu as fait. c'est super ce que tu as fait. Vraiment, t'as donné le meilleur de toi-même, vraiment, c'est bien. Non, non, mais t'inquiète pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Que les autres vous rassurent ou qu'ils vous disent la vérité? Bah, en tout cas, oui, j'ai besoin d'être rassurée, ça c'est Ouais, sûr. hein, là, vous, dans votre système, là, vous voulez qu'il vous rassure. En même temps, bah, alors qu'est-ce que ça vous pose comme problème qu'il vous rassure? C'est que je suis jamais vraiment moi-même, je suis jamais vraiment authentique Ah oui, voilà, hein, vous n'êtes pas authentique. et spontanée surtout. Oui, c'est pas très spontané. On sent qu'il y a beaucoup de calcul, quoi. Hein. Vous êtes une femme un peu dans le contrôle, là. Et ça aussi, est-ce que ça prend pas un peu d'énergie? Tout Ah ces si, c'est beaucoup, calculs. beaucoup. Hein, oui, ça prend beaucoup d'énergie. Ça pourrait être plus simple de ne pas calculer, de dire, bah voilà, moi je suis contente de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, donc, c'est pas authentique. Ça fatigue avec des tas de calculs. Et puis, troisième point, bah, ça n'ouvre pas tellement à la vérité ou à la critique, hein, puisque vous n'ouvrez pas tellement la porte à ça avec votre système. Or,
si vous dites je suis contente, voilà, qu'est-ce que tu en penses, bah, l'autre il va peut-être vous dire ouais, bah, écoute, c'est pas mal, mais là je pense qu'il y a un problème. Par contre, il aura beaucoup plus de difficultés à vous le dire si vous commencez par vous auto-flageller, parce que là, il va chercher plutôt à vous rassurer. Donc, vous voulez progresser ou pas, alors? Ben, c'est bien pour ça que je pose cette question-là. Mais je vois à quel point c'est douloureux de... Eh oui. Parce que de voir que... Que j'ai pas du tout... Que ça m'angoisse profondément qu'on me critique. Ça me, oui. C'est comme si je m'effondrais, quoi. Eh oui. Hein? Alors que... Donc, vous voulez tout de suite installer dans le domaine des dieux, là, pour être la meilleure. Ouais. Mais... Et pas bouger. Voilà, pour pas bouger. Mais bouger, ça vous plaît pas, finalement, alors. C'est-à-dire, ça, faut que je refasse, faut que je revoie. Ça... Hein? Mais vous devriez que ça soit tout de suite parfait. Mmh. Hein? Voilà, atteindre la perfection sans avoir à chercher, à recommencer, à écouter les critiques. Hein? Bon. Ben, si j'ai des critiques, ça veut dire que en fait, je suis nulle. Ah oui, voilà. Donc, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vous renvoie à ce que vous venez de dire. Si j'ai des critiques, ça veut dire qu'en fait, je suis nulle. Qu'est-ce que vous diriez de cette personne-là? Ah ben, qu'elle ne se fait pas confiance, qu'elle met... qu'elle fait pas la part des choses du tout, qu'elle n'est pas du tout clairvoyante, en fait. Oui. Par rapport à... qu'elle n'a aucun recul vis-à-vis de eh oui. ce qu'elle croit, de ce qu'elle dit. Ah. On ne va pas l'aider effectivement à voir ce qui se passe. Parce que si on vous dit, bah, là, sur ce petit point, je pense que tu pourrais revoir, et que vous vous dites, je suis nulle, eh ben, on ne peut pas tellement avancer avec ça. Mm. Puis il y a un petit côté dramatisation. Mm. Ça vous parle de dramatiser, parfois? Oui. Oui. Évidemment, si vous voulez être la meilleure, c'est pas possible d'être la meilleure tout le temps, du coup, c'est le drame, quoi. Ah. Donc, est-ce que vous avez des éléments de réponse à partir de ce qu'on a dit, là? Pourquoi ai-je besoin d'être la meilleure? Ben, parce que ça m'angoisse profondément qu'on puisse... me remettre en question et émettre des critiques et m'obliger à voir que ce que je fais, c'est pas parfait. Mmh. Oui. D'accord. Ça, vous l'aviez déjà pensé? Oui, plus ou moins. Ouais, je sais pas. Plus ou moins, mais qu'est-ce que vous en avez fait, alors, si vous l'avez déjà pensé? Qu'est-ce que ça vous a apporté, de cette prise de conscience? Ben que, là, aujourd'hui, j'avais envie d'aller vraiment poser frontalement cette question. Mais dans le travail que je fais dans mon milieu professionnel, j'avance petit à petit, puisque je travaille maintenant en équipe, alors qu'avant, je ne travaillais pas en équipe. J'avance petit à petit sur assumer, justement, faire ce chemin vers être un peu plus moi-même, avec des choses comme, par exemple, la colère, où je commence à accepter l'idée que je vais pouvoir dire non, parfois, même si ça ne plaît pas. Je ne sais pas si je m'éloigne du sujet ou pas, mais... Vous en souvenez de la question à laquelle vous répondez? Qu'est-ce que... Vous m'avez demandé qu'est-ce que... je sais, mais elle est loin. Oui. Qu'est-ce que la prise de conscience, parce que vous dites que vous avez déjà pris conscience de ça, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous en avez fait?
Et donc, vous me dites que vous en avez pris, comme vous en avez pris conscience, maintenant vous travaillez en équipe et que vous osez dire non, par exemple, quitte à être critiqué. C'est sûr que si vous dites non, bah, vous allez avoir des critiques. Ouais. Donc, vous êtes un petit peu en chemin, c'est ça ? Je suis en chemin, voilà. Ouais. J'ose plus exposer mes recherches et qu'on me dise, qu'on remette en question ce que je propose. Et oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant au fait à ne pas être la meilleure, voire même à faire franchement des trucs pas géniaux, un peu nuls ? Vous pouvez me donner 3 arguments, là, vous avez fait un truc un peu nul, mais c'est intéressant. Il n'y a pas d'enjeu, donc c'est assez tranquille, encore une fois, c'est... Il n'y a rien de grave, donc oui, ça... Oui, alors quand il n'y a pas d'enjeu, parce que parfois, il y a à voir, mais ouais. Ça libère, je ne sais pas, ça libère d'une certaine pression. Voilà, hein, d'accord. Ça peut permettre à d'autres de récupérer le travail et de faire mieux. Ça c'est difficile parce que ça remet en cause ma personne, quoi. Et oui. Vous pourriez pas un jour faire exprès de foirer quelque chose, puis comme ça c'est l'autre qui va le reprendre et qui va faire mieux, qui sera content. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs que quelqu'un reprenne votre travail pour faire pour l'améliorer, pour ça vous est déjà arrivé? Oui, en tout cas, oui. 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 Vous l'avez vécu comment ? Une petite pointe de désagréable parce que c'était pas parfait du premier coup. Mais oui, ouais. Mais aussi la conscience que j'avais rien, ça ne m'avait pas remise en cause. Oui. Ok. Je ne sais pas comment, si je suis claire. Ouais. Peut-être pas. Donc, une petite pointe de désagrément, parce que ce n'était pas parfait, évidemment, c'est ça ? Mais en même temps, alors vous êtes... Parce que tout à l'heure, vous me disiez que quand on vous critiquait, tout ça, ça vous mettait par terre. Mais là, finalement, non. Ben, j'y travaille. Oui. J'y travaille, mais j'y travaille... à dose homéopathique, j'ai envie de dire. Enfin... En tout cas, avec des personnes bienveillantes. Oui. Je sais qu'elles ne sont pas là, pour me descendre en flèche. Ok. Et puis elles peuvent avoir une idée intéressante et ça leur fait plaisir. Si elles reprennent votre travail. Parce que le but, c'est que le travail soit bien fait ou qu'on reconnaisse les personnes qui ont bien fait le travail. Oui. Le but, c'est que le travail soit bien fait, bien sûr. Le but, c'est que le travail soit bien fait. Mais on voit que l'ego vient se nicher là-dedans. Parce qu'on pourrait dire, ce qui compte, c'est que le travail soit bien fait. Peu importe que ce soit Catherine ou quelqu'un d'autre, il faut que le travail soit bien fait. Mais on voit que l'ego... vient se mettre là-dedans. Ouais. Est-ce que ça vous arrive d'oublier que le but, en fait, c'est que le travail soit bien fait, c'est pas qu'on reconnaisse Catherine ? Alors, dans mon travail aujourd'hui, globalement, c'est plutôt le travail soit bien fait qui compte, quoi. Vous arrivez à penser à ça. En même temps, votre question, c'est quand même... Pourquoi ai-je besoin d'être la meilleure ? Donc, on suppose que c'est quand même pas très simple pour vous, quoi. Non, non. Puis c'est quelque chose qui m'handicape, enfin, qui fait que j'ai comme une barrière entre moi et. Et oui. Enfin, une sorte de retenue. Mmh. Je suis jamais tout à fait spontanée et où je mets un enjeu
Oui. terrible dans tout ce que je fais. Oui. Donc oui, j'aimerais bien pouvoir que ce soit un peu plus léger et puis me tromper des fois, et que ce soit pas Oui. la fin du monde. Oui. Hein? Parce que ça serait un peu plus libre, quoi. Hein? Vous n'auriez pas besoin de contrôler tout le temps, de vérifier si C'est vous avez ça. atteint l'imperfection ou pas. Ouais. Et être en chemin, ça peut être amusant. Non? Si, si, je Ouais. pensais par rapport à un projet que je suis en train de mener avec d'autres personnes, jusqu'à quel point il y a des choses, si elles ne sont pas bien faites, ben, c'est la catastrophe, quoi. Et j'ai du mal à mesurer. Oui. Du mal à mesurer ce qui est Et catastrophique oui. et ce qui ne l'est pas. Et oui, puisque Je vous mets mettez tout. la... Oui, vous n'arrivez pas à hiérarchiser. Non. Et oui, ben oui, logique, parce que vous voulez la perfection. Hein? Donc, celui qui veut la perfection, il la veut partout, il n'arrive pas à hiérarchiser. Il y a des choses plus ou moins importantes. Mais pour vous, c'est compliqué. Ça, vous pourriez dire, bon, bah, ça, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Par contre, là, il faut faire attention, quoi. Ouais, c'est pour moi, c'est quasiment impossible de faire ça. Et oui. Hein? Donc, on comprend le problème que ça pose, là aussi. C'est que ça prend une énergie gigantesque. Si vous devez atteindre la perfection dans tout ce que vous faites, y compris si vous faites un œuf sur le plat, ça peut être épuisant. Il y a des choses, on peut se dire, bon, là, ça n'a pas d'enjeu, c'est pas grave. Mais pour vous, c'est un peu compliqué, ben oui, puisque vous voulez être la meilleure. Alors, pas partout, hein, c'est vraiment dans un domaine, pas Dans le domaine dans le domaine professionnel, professionnel. ouais. Mais dans les autres domaines de votre vie, c'est moins prégnant. Ah oui, franchement, que Oui. je rate un gâteau ou que je Oui. sois, je sais pas, je... Que votre maison soit mal rangée ou. Ouais, non, non, franchement, ça me dérange beaucoup, moi. Oui, J'ai beaucoup plus de marge de latence, enfin de, je sais pas, j'ai beaucoup plus d'espace par rapport à ça. Dans le domaine de la vie privée, c'est ça? Ouais. Ok. Et dans le domaine affectif aussi. Alors, ça donnerait quoi dans le domaine affectif? Ben, être la meilleure dans le domaine affectif, la meilleure maman, la meilleure épouse. Oui, la meilleure maman, sûrement. Oui, hein? Ouais. La Donc meilleure là, épouse, je ne sais pas. ouais. Donc là, ça vous préoccupe moins d'être la meilleure épouse, c'est plutôt la meilleure maman. Ouais. Oui. Bon, bah, ça pourrait être l'objet d'une autre consultation. Et vous pourrez vous demander. Si vous êtes la meilleure maman, bah pareil, hein, vous pouvez faire l'autoconsultation après. Qu'est-ce qui se passerait si vous n'êtes pas la meilleure maman? En quoi ça peut être intéressant de ne pas être la meilleure maman? C'est quoi le problème de vouloir être la meilleure maman? Hein, vous voyez les types de questions qu'on peut se poser? Ok, bon, alors on va faire un petit retour sur la consultation. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de l'exercice? Dérangeant. Ouais, dérangeant. Ouais. Qu'est-ce qui vous a Ouais. dérangé? Parce que ça ne se voit pas que vous êtes dérangé là. Vous avez l'air toute calme. Voilà, bah ouais. Des fois, il y a des gens, ils sont dérangés, ça se voit. Hein. Mais alors vous, Non, non. Vous le non, savez parce ça, qu'il y que ça a... ne se voit pas? Pardon, je sais Vous pas. le savez que ça ne se voit pas quand vous êtes dérangé? Oui, bah voilà, ça fait partie des choses, effectivement. Ouais. Ouais. Parce que bon, bref, en tout. Et c'est qu'est-ce qui vous a dérangé? Zut, ça a coupé. Moi, je vous entends. Oui, bah, ça a repris, ça a coupé, ça a repris. Ce qui est dérangeant, c'est ce questionnement frontal là, Oui. qui ne laisse pas justement le temps de souffler, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu, ça met face à nos, justement, les contradictions, et ça, c'est très désagréable pour moi. Ouais, Je me suis sentie plein de fois, je me suis sentie jugée, en faute.
Ouais, Ouais. d'accord. Je connais ça, hein. Je sais très bien que c'est le processus qui se passe en moi. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pensez que moi, je vous juge en faute? Non, non, voilà, je sais Ouais. très bien que je plaque sur le processus, donc Ouais. sur vous en l'occurrence, Ouais. des choses que je ressens parce que Ouais. parce qu'être face à ces contradictions, pour moi, c'est du même ordre que ce dont on a parlé, c'est-à-dire ça Ouais. me crée de l'angoisse de ne pas être de pas Oui. être l'interlocutrice parfaite, par exemple. Ah oui, ça vient se nicher à tous les moments là, de la vie, quoi, oui. Alors, et ces contradictions, bah, que ça crée une, comment dire, une prise de conscience un petit peu embêtante, c'est plutôt bien, parce que si vous voyez des contradictions et vous dites, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, bah voilà. Mais par contre, si ça vous embête un peu, c'est le moyen de les dépasser. En revanche, si c'est pour vous autoflageller et dire c'est affreux, je suis dans la contradiction et de rien en faire, Ouais. ça ne marche pas non plus. Enfin, hein, Ouais. ça serait de la complaisance. Hein. Parfois, on tombe là-dedans, c'est-à-dire, oh là là, qu'est-ce que je suis contradictoire, je ne suis pas capable d'aider les autres sans me regarder, je suis vraiment un nul, etc. Parce que quand on veut le meilleur, des fois, on se juge aussi comme une merde, si je puis dire. Hein. Parfois, on oscille entre les deux. Ça vous parle, ça? Oui, tout à fait. Ouais, hein. Et donc, mais oui, mais si on fait ça, c'est notre forme de complaisance. Dire je suis nul, etc., c'est qu'on ne veut pas le dépasser, en fait. Par Ça. contre, dire, ah ouais, là, tiens, il y a un petit problème. Mais avec une idée plus amusante, observons, ah ouais, je vois que j'ai cette difficulté, et puis on va essayer de la dépasser, comment on va faire? Un peu plus léger, quoi. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une forme de jeu, hein. Je parlais du jeu. Oui, Des jeux de oui. société tout à l'heure, mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir effectivement vivre les choses de manière un peu plus ludique dans Et la vie. oui, hein? Et oui, parce que vous, on sent que c'est du lourd, quoi, parce qu'il faut être la meilleure en Ouais. plus. Mais voilà, donc c'était dérangeant et en même temps, pour moi, il y a une part de moi, c'est pour ça peut-être aussi que vous voyez une forme de calme, enfin, en tout cas, que ça n'a pas l'air de. C'est que pour moi, c'est aussi. Ça me dérange pas d'être dérangée, je sais pas comment dire. Oui, ok. Oui. C'est un, voilà. Voilà. Pour moi, c'est important ce cheminement et c'est aussi quelque chose qui m'enthousiasme D'accord, de découvrir comment je fonctionne, quoi. oui, voilà, c'est un peu le principe de la consultation. C'est normal que si c'est dérangeant, c'est bon signe. Et l'idée, voilà, c'est de travailler sur soi avec cette dimension, encore une fois, un peu sérieuse et légère à la fois. Parce que ce n'est pas juste de la rigolade, Ouais. mais ce n'est pas non plus lourd, quoi. Hein? Ouais. En Voilà. fait, ce que j'aime bien je peux me permettre Oui, une, oui. ouais, dans cette manière de faire, dans votre posture, si je peux dire, en tout cas dans ce que je reçois, c'est qu'il y a une forme de distance avec le pathos. Oui. J'ai failli dire émotion, mais c'est pas ça, parce qu'il y a quand même des émotions, c'est quand même Oui. vivant, mais le pathos, c'est-à-dire ce Oui. côté effectivement peut-être drame, je sais pas si Oui. c'est la même chose, mais Oui. que je me raconte dans ma vie des fois, quoi. C'est ça, oui. Et là, il y a un côté mise à distance. Moi, j'ai fait de la psychanalyse, tout ça, donc Oui. je Ah vois bien oui. Oui. votre processus. Mmh. Et j'avoue qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la légèreté là. Oui, c'est ça, oui. Exactement, oui. J'aime bien l'idée que on n'est pas dans le pathos, mais il y a de l'émotion quand même. Oui, il y a de l'émotion. Je suis pleine d'émotions, mais qui vient. Ça, ouais. Mais Mais sans, il y a quelque chose de l'ordre de la rigueur. Je ne sais pas comment ça, dire. ouais. Oui, bah oui, c'est hein, ce travail de questionnement. Puis on suit un fil. Moi, je reprends à chaque fois ce que vous dites pour le questionner, ce qui donne une structure à la discussion. Ouais. Ok, est-ce que vous avez un autre commentaire ou. Ben non, c'est ok, je repars avec, je pense, voilà, un chemin encore qui Ouais. va se prolonger. Bon, ben je vais vous envoyer les questions, hein, parce qu'il y a des questions, si vous voulez y répondre par écrit, Ouais. une vingtaine de questions auxquelles vous pouvez répondre. Ensuite, vous me renvoyez vos réponses si vous voulez, D'accord, hein, ok. pour suivre enfin, si vous voulez achever le travail, c'est pas mal de regarder la vidéo. Puis je vais vous Super. envoyer la vidéo en même temps. D'accord. Ça marche?
Génial, génial. Ah ouais, super. Et moi, du coup, j'avais rentré votre IBAN hier sur mon compte bancaire, donc je vais pouvoir faire le virement là, je pense, dans la foulée. Ok, ça marche. Très bien. Bien, bah bonne fin d'après-midi alors. Merci beaucoup. Et Je vous prie. voilà, c'est vraiment une belle surprise. Ouais, vous me Ouais. direz si ça Voilà, si oui. passe après, quoi, l'occasion Ah, de me dire comment ça. ça va cheminer, mais je m'attendais à un truc un peu, j'étais curieuse, mais j'ai Okay. l'impression que ça va contribuer Ouais. à vraiment à me faire Et avancer. en voyant la vidéo, vous verrez, y a des questions sur justement comment pour comprendre la démarche. Hein. Après, vous pouvez le faire toute seule, quoi, aussi. Hein. Ouais. Moi, des Oui. fois, je fais ça toute seule, je m'auto-questionne. Hein. Ça évite de tourner en boucle. Oui, Voilà. c'est ça. Ouais, C'est c'est ça, ça. c'est apprendre à dialoguer et pas à ressasser. Parce que, en général, quand on a nos problèmes, on ressasse, on les tourne en boucle et là, en questionnant, on prend de la distance, quoi. Et Et je ouais. ce que Platon disait, penser, c'est dialoguer avec soi-même. Dialoguer, voilà, c'est pas tourner en boucle. Et pour dialoguer, il faut mettre un peu d'altérité, quoi. Il faut mettre l'autre. Alors là, c'est moi qui représente l'autre, mais après, on peut le faire un peu tout seul aussi. Il faut la conscience de ce qu'on est en train de se dire, quoi. C'est Il faut ça. s'observer un peu, quoi. Voilà, il faut s'observer, se dire, tiens, mais pourquoi je fais ça, là? Je pense ça. Et qu'est-ce que ça pose comme problème si je pense ça? Ça va être quoi les conséquences? Ouais. Et quelle est la raison pour laquelle je pense ça? Est-ce que je pourrais penser autrement? Est-ce que je pourrais critiquer là, ma façon de voir? Est-ce que j'aurais trois arguments pour critiquer ma façon de voir? Etc. Ouais. Donc ça donne de la souplesse, ça donne une forme de légèreté. Puis il y a une part qui est presque ludique en fait aussi. C'est amusant. Ah ouais, on peut voir les choses comme ça. Voilà, ça donne une souplesse. Ouais, et je me rends même compte que ça pourrait aller dans le sens où je serais plus je serais moins je serais plus claire avec moi-même et je serais aussi plus claire avec les autres, du coup. Oui, Plus spontanée, du coup. c'est ça aussi. Hein. Et puis ça pousse à assumer un peu plus. C'est-à-dire, comme on a envisagé plusieurs points de vue, on est plus souple et à la fois plus ferme. Plus souple parce qu'on a envisagé plusieurs points de vue et plus ferme parce que celui qu'on va choisir, ben, on sait un petit peu pourquoi on le choisit, on a pris le temps et on y va, quoi. Hein, et on peut l'assumer clairement. Et voilà, l'exercice. OK. Ok, bon, Bien. ben merci beaucoup. Et puis peut-être. Alors donc par mail, en tout cas, Voilà, hein, je vais vous envoyer la vidéo. ça va, super. Ça marche. Eh bien, Je vous passe bonne une fin d'après-midi. journée. Au revoir. Merci, au revoir.